7h48, je me suis levée peut-être à 9h50. Puis c'est le fun parce que c'était rare que le vendredi, moi puis Anthony, on se réveille ensemble. Ah, fait que là, on s'est réveillé ensemble. Fait que c'est ça, c'est le fun. Là, il est dans sa pièce, là. Il est en train de jouer à l'ordi. Puis moi, j'ai juste déjeuné. Puis j'ai décidé... En tout cas, j'ai décidé que j'allais faire le ménage en bas. Donc, c'est pas un gros ménage, là, parce que j'avais déjà comme tout fait la fin de semaine passée, mais il y a toujours du ménage à faire. Toujours. Fait que, puis j'ai acheté mes nouvelles déco du Target hier, fait que je veux changer ça. Puis c'est pas mal ça. Donc, je vais faire tout ça. Bon, donc je viens de nettoyer tout le plancher, comme vous pouvez voir, fait que là, je suis comme pris à ma place. J'ai passé le balai partout parce que faut changer genre le sac dans ma balayeuse, puis je sais pas sur où, bref. Ok, j'ai passé le balai partout, dans la cuisine aussi. Puis là, vous voyez la mop est là. Puis j'ai passé la mop avec ça, ça sent vraiment bon. Hein. Ça, ouais, ça sent l'orange. Ok. C'est ça, je suis pris là, fait que j'attends que tout sèche. Donc, on a dîné des rouleaux impériaux? Du printemps? Ouais, rouleaux impériaux, je pense. Je me suis maquillée, comme vous pouvez voir, avec la palette d'hiver de Too Faced. Mon blush préféré d'hiver, Cine. Puis là, tout est en train de fondre, alors pas la neige, mais les glaçons. Parce qu'il y avait genre des gros glaçons, là. Comme qu'on voyait surtout dans la fenêtre de la salle de bain, là, il était énorme. En tout cas, bref, c'était ça. Puis là, on s'en va à Post Canada parce que depuis qu'on habitait, on n'avait pas de code postal. Fait que ça allait à Post Canada, mais maintenant, on a comme notre petite boîte là, pour le courrier. Mais je vais aller voir si on avait reçu cette semaine. Quoi? Ce sont mes bottes. T'es? Ben, soit dans le garde-robe. C'est quoi tes bottes? Notre face. Ah, oh, ils sont dans ta boîte de souliers en haut que t'as jamais les fait. Ok, c'est ça. On va aller à Post-Canada, on va aller au Costco. Ça fait 3 semaines, notre épicerie au Costco. Puis il reste encore des choses. Il n'y a plus de poitrine de poulet. Puis, c'est ça. On va acheter un petit peu de choses. Puis, aujourd'hui, ben dans le fond, je vais tourner ma routine du soir. Et c'est pour ça que je me suis maquillée, parce que je vais montrer quand je me démaquille. Ok, c'est pas mal ça. Il reste un peu de trucs qui traînent sur la table, mais je vais ramasser en revenant. Puis, c'est ça. Je vais faire charger ma caméra. Oh, j'aime trop le blush. C'est une de Nars. Puis, c'est pas mal ça. On va aller au Costco. Et il faut aller au Canadian Tire pour acheter une affaire. Je me rappelle plus quoi. C'est quoi qu'il faut acheter au Canadian Tire? Ah, du sel. Du sel pour installer à ta glace. Là, ouais. Elle va fondue, mais pour les prochaines. Ah, c'est vrai. Ouais. Donc, là, je m'en vais puis je vais montrer. J'ai mis mon nouveau manteau que j'avais acheté au Costco. C'est quoi le nom de la marque? Rutsack, mon dieu, j'ai oublié. Avec mon gros capuchon, puis comme la partie en dessous, puis la partie dessus, là, j'ai pas monté la partie. Ben, j'ai pas full monté parce que il fait froid, oui, mais. Je suis pas crevée de chaud non plus. En tout cas, ok? Je l'aime full! Je peux le comprendre. Oui, puis. Je l'ai pas montré. Anthony imprime quelque chose. Alors, on s'en va. Je l'ai pas montré mon nouveau centre de table. Ça, c'est les uniformes Anthony pour ranger. Que, il est trop cute. Donc, ça, c'est une vieille photo de moi et Anthony à genre 14 ans. Là. Ouais. Le petit sapin menthe. Ça, je le trouve tellement beau parce que je l'ai utilisé comme après Noël aussi. Là. J'aime trop ça. Ouais, fait que je suis full contente. Puis, j'ai sorti mon trépied. Là, je l'ai full monté parce que tantôt. On t'a mis là. En arrivant, ouais. Tu veux prendre les effets et fermer l'imprimante, s'il vous plaît? Oui, Anthony. Je le plie seulement? Fais juste le plier. Anthony, tantôt, il disait qu'il aimait son manteau, hein? C'est moi qui lui ai donné l'année passée à Noël. Mes bottes. Hein? Mes bottes. Tes bottes aussi, ouais. Fait que tantôt, comme je fais une routine du soir, je vais me filmer arriver. Ouais, fait que c'est ça. J'ai acheté ce cadre-là. Il est super beau. Puis en spécial en plus.
Je pense bien que je vais prendre deux. On est revenu! Puis je viens d'allumer mon sapin. Puis je suis en train de. J'ai commencé à filmer mon vidéo. Genre routine du soir, là. En tout cas, ben, genre quand je rentre dans la maison et tout. Là. Non, c'est du mal. Les achats du Costco! Ouais, fait que je les ai mis devant ma table, puis je vais vous montrer tous les achats qu'on a fait au Costco. Si tu veux te participer, Anthony? Non. D'accord. Il fait de la glace. Fait que on a fait vraiment une grosse épicerie, là. Énorme. Attendez, ça a l'air croche. C'est pas énorme. Ben, moi, je trouve qu'elle est énorme, là. Moi, je trouve qu'elle est comme là-dessus. Elle est grande. OK. On mange. Où, le riz? Hein? Le riz? Ouais. Non, en haut. Ouais. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté. Fait que, ben, premièrement, ça, là, c'est à cause de toi. Je pense que c'est Alexandra qui avait... c'est Alexandra qui avait parlé de ça. C'était le RTL à la pomme grenade. Ben, grenade et mangue. Ben, c'est un nettoyant tout usage. Puis, ben, c'est ça. Ben, je peux nettoyer le plancher. Il y a plein de trucs avec ça. Puis, il est donc spécial à 6$ au lieu de 8 pour la énorme bouteille de 5 litres. Et tu as la petite bouteille normale. Fait que tu peux la remplir avec ça. Je trouvais ça super. Puis, ça doit sentir bon. Donc, j'ai acheté ça. Ben, on a acheté ça. Puis en passant, Anthony, il fait 2 millions d'ailleurs. Il reste de pour une seule fois. Pour vrai? Bon, on en rachètera. Je pensais qu'il en restait plus. Alors, on a acheté des pâtes, puis on a décidé d'acheter d'autres sortes de pâtes que d'habitude. Puis on a acheté ce paquet-là. Dans le fond, il y a des fettuccini et des tagliatelles. Donc, Montre les poivrons pour que je puisse les faire après. Ah, ouais, ben de toute façon, c'est en train de chauffer le four. Ça va chauffer le four encore. Ok, j'ai monté ça. Ok, on a acheté ça, ça vient 4 paquets. Ça va faire différent de ce qu'on a d'habitude. Là, je vais vous montrer ce qu'on va souper. Parce que. Je vais le mettre en four. Ouais, Anthony va préparer le four. Dans le fond, je voulais vraiment manger des piments farcis. Puis là, en fin de compte, ça revenait quasiment moins cher d'acheter. Non, pas moins cher, mais. Non, mais. Beaucoup moins compliqué pour sauver comme 4$. Ouais, fait qu'on a acheté les déjà faits, là. Les piments farcis du Costco. Ah, c'est poivrons doux farcis. En tout cas, fait que avec sa viande, le fromage et tout, là. J'ai jamais mangé ça de ma vie en passant, mais ça me tentait vraiment d'en manger. Jamais mangé ça? Non, j'en ai jamais mangé. T'as déjà mangé la même chose pour pas facilement? Ouais, probablement, mais. Donc, on va manger bon, ça. Bon, la viande hachée et du fromage. Ouais, mais je n'ai jamais mangé comme un poivron farci. Fait qu'il y en a 6, sont vraiment énormes, là. Fait que. Ça. Alors, Anthony, tu peux préchauffer le four à 400. Ok, on va manger ça. Il va en rester. C'est fun. Donc, on a acheté des oignons. Parce que ça fait ça. Oh, ça fait plein de choses. Hein? On a acheté des brocolis. Parce que dans le fond, on a fait l'épicerie au Costco il y a 3 semaines. Fait que ça nous a duré. 3 semaines. Et que les fleurons. Oui, de... Ouais, à tous les jours, je mange des brocolis avec la poitrine de poulet pour le goûter. Un gros bol de brocolis. Ouais. Des brocolis. Donc, super bon. C'est bon l'hiver parce que les brocolis, c'est pour la vitamine C. Ouais. La vitamine C, c'est bon pour combattre le goût. Que des bananes. Des bananes. Ils sont pas chères au Costco. On a acheté les fameuses olives. Et puis, vous savez qu'on met des olives dans tout, ça. Puis ça faisait. On n'a pas acheté. On n'avait plus comme le dernier mois, je pense, hein? Anthony? Ouais. Depuis qu'on a acheté, on n'avait pas acheté. Ouais, fait qu'on en avait besoin, puis nous, on achète le gros pot d'olive au Costco. Ouais, ça doit être un mois et demi, max. Parce qu'on l'utilise beaucoup. Fait que, les olives. Anthony aime ça, le croton. Puis il a vu que c'était du croton de veau en paquet 2, qui était comme pas cher. Fait que pour 2 gros paquets. Donc, on a acheté ça. Des framboises. Il avait l'air bonne. La dernière fois, il était un peu surette, là. Plus acide. J'espère. Ouais, acide. J'espère qu'ils sont plus sucrés. C'est pas la même marque.
Mais ouais, c'est pas vrai, ils sont bons, on dirait juste une de la viande hachée de spaghetti. Ah, il y a un peu de riz dans la viande, je pense. Ben oui, il y a du riz, c'est ça que je t'ai dit. On va acheter ça. Puis moi, ce soir, Anthony veut manger du riz avec les poivrons, mais moi, je veux pas manger du riz avec ça. Je vais faire une petite salade de tomates, fromage feta, oignon. Donc, j'ai jamais goûté à ceux-là, mais c'est les petites tomates de la marque. Ben, c'est écrit Sunset Angel Sweet, tomates miraculeusement sucrées. Écologique, bref. Donc, c'est celui-là, là. Ce paquet-là. Je vais vous dire ce que j'en pense tantôt. Hein. Puis, ben, le fromage feta, il est vraiment trop bon, là, le Scottisakis, comme ça. Okay, on a acheté lui. On l'a déjà acheté dans le passé. Anthony avait besoin de la crème arrosée. Donc, il a acheté la Gillette 3 en 1. C'est un paquet de 4. J'ai acheté ça. Ah, on a goûté à ça. On avait goûté au. Tortillas aux tomates séchées au soleil, comme ça. Donc d'habitude, on achète les normales. Mais eux sont très bons. Mais j'en avais des. Hein? Ouais, par changement. Fait que moi, j'aime ça dans mes lunchs, ça. Puis là, il les faisait goûter avec ça ici. Donc c'est de la marque Scottisakis aussi. Je vais chercher justement une vinaigrette pour. Ouais. Pour les brocolis, une trompette pour les brocolis. Puis celle-là, c'est une trompette au yogourt grec, au jalapeno doux. Donc, c'était pas trop épicé. Ça ressemble à ça. Puis, il était en spécial à combien, Anthony? Je sais pas. Il y avait genre 4$ ou 3$ de rabais, là. Fait que ça. 4$ de rabais. En tout cas, ces deux gros pots, là, sont vraiment gros. Puis, eux, ils mettaient ça avec le tortilla, c'était super bon. Donc, on va pouvoir faire ça, puis aussi avec les brocolis. Donc, c'est vraiment bon. Je vous conseille de goûter à ça. Et on a acheté ça parce qu'il est en spécial. Il nous reste la pizza de l'autre soir, là, mais c'est une pizza croûte ultra mince, mais fajitas au poulet. Donc, c'est pas pareil. Puis, ça dit viande de poulet blanche grillée, poivron vert, oignon, sauce mexicaine, sauce à la crème sûre. Donc, étant rabais de 4$ aussi, je crois. Donc, on l'a acheté. Il y en a combien là-dedans? 3. Fait que, c'est ça. C'est différent, là. Donc, on a commencé par exemple, nous, on va recevoir à Noël de ma famille puis de sa famille. Mais en fait, sa mère, on ne pense pas qu'elle va être revenue pour Noël. Ce qui est plate, mais c'est ça. Elle va revenir sûrement en janvier. Ouais, fait qu'on a commencé à acheter des trucs pour Noël parce que si on achète tout d'un coup, ben ça coûte cher. Fait que, comme on reçoit. Fait qu'on a acheté ça, mais comme je vous dis, c'est pour Noël. C'est les mini saucisses, là. C'est des saucisses légèrement fumées, enrobées d'un pain moelleux, cuit au four. Donc, comme ça. Il y en a 64, ouais, 64. Fait que l'année passée, on avait acheté, puis ça avait été très populaire, mais il n'en restait pas. Fait que, on l'a acheté cette année aussi. Comme je vous dis, c'est pour Noël. On a acheté, des sauces. Donc, on a acheté moi, ma préférée, en tout cas, à date, c'est les produits de nos grands-mères, sauce à la viande, comme ça, hyper bonne. On a acheté ça. Puis Anthony avait beaucoup aimé la Mike. Donc ça se perd pas dans la sauce. Fait que, on a acheté la Mike comme ça. Sauce à la viande aussi. Donc, ça. On a acheté les poitrines de poulet. Comme ça, là. Qu'on achète. Qu'on a acheté un paquet de 30$. Que ça, c'est ce qu'on mange dans nos lunchs. Toute la semaine avec les brocolis. Puis on a acheté ça. On a acheté. Mais en fait, je voulais qu'on mange. Il a acheté des saucisses italiennes épicées de Kirkland. Comme ça. Je mange seulement jamais ça. Jamais. Mais là, Anthony en a acheté. On va les manger comme avec des patates pilées, des patates grecques, puis d'autres choses. Là. Bref, il y en a beaucoup, là, par exemple. Puis on va sûrement congeler. Donc, on a pris ça. On a pris ça parce que c'était en spécial. C'est. Les taquitos poulet et fromage. Donc, ça là, on mangeait ça. Je vais vous montrer la sauce là, parce que je l'ai ici pour vous montrer. Ah! Cette sauce là, okay. La sauce Thai Kitchen. Ben, Thai Kitchen, ça là. Super bonne. Puis, on mangeait les taquitos avec ça. Puis, ben, ça c'est vraiment juste des dépanneurs. Là. Comme il nous reste encore les rouleaux de printemps, on a mangé à midi, mais c'est ça. Fait qu'on a acheté ça, il était en spécial de. Genre à 9$, je pense, pour 40. Okay. C'est pas cher. Pareil pour ça. Ben, ça, c'est super bon avec eux. C'est parce qu'on pensait manger ça pour souper avant d'acheter le piment farci. Fait que c'est des lanières de poulet
sont vraiment bonnes. Là. Pour vrai, si vous voulez en acheter, achetez-les. Ils sont faits en 20 minutes. C'est ceux-là ici. Ils sont vraiment très, très bonnes. Donc, moi, je les aime vraiment beaucoup. Donc, on a acheté aussi des tostitos. C'est trop bon. Mais en fait, les sacs au Costco, c'est 2 pour 5. Là, les énormes sacs de chips. On a acheté un tostitos roulette et un tostitos. Puis, pour aller avec ça, on a acheté... Au lieu d'acheter tout le temps comme des petites sauces, là, tout le temps IGA, ben les gros pots comme ça de sauce salsa moyenne au Costco sont vraiment pas chers. Comme on a acheté ça. Puis, on a acheté des patates! C'est tellement laid les patates, si vous me connaissez, vous savez que j'ai ça. Regardez, des patates, là. Fait que, on a acheté ça pour faire des patates pilées, patates au four, plein de choses. Fait que, je pense que c'est pas mal. Bon, fait que je viens juste de faire ma petite salade. Ouais, mais ça va être pour moi et Anthony. Anthony, en fin de compte, il me dit qu'elle allait en prendre. Puis, que j'allais dire? Oh, je viens de filmer, en fait, parce que je filmais ma routine du soir. Puis, tu sais, j'inclus le souper avec, en tout cas. Fait que, c'est ça, là-dedans, je vais vous montrer comment j'ai fait ça hyper simple. Mais c'est full bon, là. Je vais en prendre une bouchée, là. Oh my god. Trop bon. Ouais. Genre... Pas parler à la bouche pleine. Mais ouais, c'est vraiment bon. Je pourrais me faire ça des fois dans les lunchs. Les pâtes, les tomates là, les... Ceux-là. Super bonne, super sucré là. Ça se marie bien avec le reste parce que le reste c'est salé là avec le fromage peut-être. J'ai pas mis d'oignon en fin de compte là. Que c'est ça. Je vais arranger ça, mais ouais, bordel là, mais bon. C'est la vie, hein. C'est la vie. Ouais, vraiment. Donc, je viens de me faire les ongles. Puis là, il y a un drôle d'ombrage. C'est quoi, c'est mon miroir? Ouais. Fait que si vous entendez Anthony est en train de jouer puis il parle sur Skype, là, j'ai les cheveux mouillés parce que j'ai pris mon bain. Que j'ai fait mon vernis à ongles. Puis j'ai mis du rouge, puis un petit peu de brillant or sur un doigt. Là. Ce doigt-là, genre, ça paraît pas beaucoup, puis celui-là, oui. En tout cas, peu importe. Fait que c'est ça, parce que demain, c'est mon party de Noël. Oh, j'ai une pensée, faut que je m'en mette sur les pieds aussi, parce que je mets des souliers ouverts. C'est mon party de Noël, descendre la pointe déjà. Donc, le thème, c'est tapis rouge. Fait que je me suis mis du vernis rouge. Puis là, à ce qui paraît, ben, il y a des rumeurs sur que l'animateur de la soirée, ça serait Herbie Moreau. Mais ça fitrait avec le thème tapis rouge. En tout cas, j'ai hâte de voir ça avec qui. Puis l'année passée, c'était Eric Salvaille. Puis c'est ça. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir c'est qui. Puis je me demande ça va être quoi notre cadeau. Parce que l'année passée, on avait des gants de cuir qu'on pouvait choisir et tout. Puis c'est tout le temps des beaux cadeaux. Là. Fait que je me demande ça va être quoi. Puis là, je vais le dire dans la vidéo puisque ça va être posté après, de toute façon. Mais... on m'avait demandé, dans le fond, comme un peu de l'aide pour trouver parce qu'ils voulaient mettre des maquilleuses cette année pour faire des retouches maquillage. J'aurais pu participer, mais dans le fond, j'ai dit non en fin de compte parce que jusqu'à 8 heures, dans le fond, les retouches maquillage, ça va être de 5 à 8. Puis, dans le fond, j'aurais manqué le cocktail puis le début du souper. Alors, c'est pour ça que j'ai dit non, mais ça m'aurait tellement fait plaisir aussi de le faire. Et que j'avais référé Audrey de Audrey's et sa cousine Carianne pour le party de Noël des Centres La Pointe, dans le fond, pour faire des retouches maquillage. Que il y aura eux, puis deux autres filles qui vont faire des retouches. Donc, c'est le fun. Le monde le savent pas, genre, qu'il y aura ça. Fait que le monde va arriver maquillé et c'est ça le but parce que c'est juste des retouches maquillage. Donc, c'est ça, c'est le fun. J'ai comme... C'était comme une petite surprise. Bon, fait que on a soupé. Puis là... C'est très bon. Ouais, c'est très je bon. Je le recommande si vous l'avez au Costco. Et vous aimez pas. Hein. Ouais. Fait que c'est ça. Puis oh, je suis floue. En tout cas, fait que je t'en prie de continuer de filmer ma routine du soir. J'ai vraiment l'air floue. En tout cas, puis dans ma routine du soir, là. Puis Anthony souvent m'écoute Dexter ou quelque chose, fait que c'est pour ça que je vous ai filmé étendu sur les doigts. Là, les lèvres sont tellement gercées, ça n'a pas de sens. Ça me brûle parce que c'était salé,
la salade. Ouais. Que j'ai allumé. Attendez, je vais vous enlever. Oups. C'est sur mon trépied. Fait que j'ai allumé ma petite chandelle. Ça fait full beau. J'aime vraiment ça. Ouais.